Salut, salut. Et oui, comme on peut le dire, la nouvelle est tombée depuis un moment. La rumeur circulait que Facebook conservait nos données en dehors même de l'application en question. Et là, on s'est rendu compte que dans les paramètres, il y a une option que Facebook n'a pas voulu communiquer à ses internautes. Voilà. Lorsque vous rendez dans Facebook, voilà, et vous rentrez dans les paramètres, voilà, dans paramètres et vie privée, et ensuite paramètres, on va voir descendre, on descend, on descend toujours, que je retrouve ça rapidement, voilà, surprise, qu'est-ce qu'on se rend compte? On voit qu'il y a une option qui est marquée activité en dehors de Facebook. Et oui, ce qui veut dire que Facebook conserve des données, des applications que vous utilisez qui n'ont absolument rien à voir avec Facebook. Et comme c'est marqué, votre activité en dehors de Facebook. Votre activité en dehors de Facebook comprend les informations que les entreprises et les organisations partagent avec nous concernant vos interactions avec elles, telles que les visites sur les applications ou les sites web. Ou les sites web. Et là, vous voyez toutes les applications qui partagent vos données à Facebook. Et là, on est tous étonnés, on est tous choqués de voir cette option. Voilà. Donc, il est conseillé à tout le monde de désactiver cette option. Tout d'abord, avant de désactiver cette option, il faut dissocier votre compte historique d'activité en dehors de Facebook. Pour cela, on a pu tout simplement su effacer l'historique, comme c'est marqué ici, et ensuite effacer historique. Voilà. Et voilà, votre activité a été effacée. Et ensuite, on clique ici sur plus d'options. Voilà. Lorsqu'on clique sur plus d'options, on vient sur gérer l'activité future. On appuie dessus. Voilà. Et ensuite, gérer l'activité future encore. Et là, on décoche cette option. Activité future en dehors de Facebook. Garder un lien entre votre activité future hors Facebook et votre compte nous permet de personnaliser votre expérience. Moi, je me dis qu'ils n'ont pas besoin de voir ce que je fais sur une autre application pour pouvoir personnaliser leurs expériences. Voilà, je me dis que ce que je fais sur d'autres applications, c'est tout à fait privé. Ça n'a absolument rien à voir avec Facebook. Donc, je ne me sens pas concerné par cette mesure. Donc, je décoche tout simplement. Voilà. Et je mets désactiver. Comme on le voit ici, désactiver l'activité future. Voici quelque chose à savoir. Le fait de désactiver ceci déconnectera votre activité future. Votre activité peut mettre jusqu'à 48 heures pour être complètement déconnecté de votre compte. Nous continuons à recevoir votre activité sur les entreprises ou les organisations que vous visitez. Il se peut qu'elle soit utilisée à des fins de mesure et pour apporter des améliorations à notre système, mais elle sera déconnectée à votre compte. Donc, on va faire désactiver tout simplement. Voilà. Et tout simple, voilà. En faisant ça, Facebook ne recevra plus des informations des applications tierces que vous utilisez. Voilà. Donc, il est vraiment conseillé de partager à vos amis, à vos proches pour qu'ils désactivent cette option. Voilà, pour ne pas être surpris lorsqu'il y aura. Il y aura des trucs sur Facebook, voir ces informations circuler un peu partout. Voilà, c'était juste un tuto, bon, pas un tuto, une information juste pour vous briefer rapidement. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et on est ensemble.